Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Resident Evil Code Veronica. Et aujourd'hui on joue Steve, voilà. La dernière fois donc Claire s'est fait attaquer par Mother Snatch et Steve est arrivé pour la sauver. Maintenant on joue Steve. Voilà, Steve. Et du coup par contre on va voir un petit peu ça. Oh non, faut pas utiliser, excuse-moi. Examiner. Regardez, nous avons une photo de famille. Photo de Steve avec ses parents. Et ouais, là c'est ses parents avec lui évidemment. Hein, on reconnaît bien où il est, hein, c'est le rouquin, hein. Voilà, du coup on a une mitraillette avec 100% de balles quoi. Du coup on va pouvoir les utiliser. Ça, ça dégage. Non mais tu sais pas viser Steve ou quoi? Non mais non. Ah il me mange. Moi j'ai pas l'herbe infinie avec Steve. Hein. Tu meurs toi aussi. Ah, il est toujours pas mort. Et coriace le bouc. Hein. Bon là-bas on a rien d'intéressant normalement. On y va. Ce sera pour Claire là-bas. Il est mort, ouais il est mort. Qui c'est qui est pas mort? Ouais attends, par contre ça va exploser sur moi ça. Hein. C'est bon. C'est bon, il est mort. Ok bon. On s'en va. On passe par là. Allez. It was dirty work, but this area is now clean. See? You can depend on me. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Steve, what were you doing here? Who brought you here and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! Steve. Never mind. Let's get going. Très bien, voilà, donc on a eu une petite crise de notre cher Steve. Voilà, il s'est un peu énervé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il veut pas parler de sa famille, c'est un peu compliqué pour lui. Claire, are you okay? Steve, behind you! No! What's wrong, Steve? Shoot him! Wait! I can't!
No! Steve! No! Steve. Father. 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 Dad, I used to work for Umbrella. Tried to steal information, intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed, and we were sent here. Oh, Steve. He was a fool to do something so reckless. So stupid. It's okay now. Just rest. Ok, voilà. Voilà pourquoi il ne voulait pas en parler. Parce que son père, il divulguait des informations d'Umbrella. Il faisait des petites bêtises. Des trucs pas très bien. Et du coup, il a été emprisonné ici et il est devenu un zombie. Voilà. Alors bon, ça, l'ascenseur, on s'en fiche, on peut pas y aller. Ça ne sera pas avec Claire. Steve, hein, on va le laisser tranquille, ouais. Alors, ce qu'on va faire, par contre, là, c'est qu'on va prendre... On va prendre ça. Parce que là, il y a les chiens. Les chiens, c'est chiant. Non, en fait, non. Peut-être prendre le flingue, finalement. Eh bien là. Voilà, ça c'est bon. Finalement, bon, j'ai pas eu besoin de l'arme. Je me suis débrouillé avec le flingue. Alors, bon, là on va pas aller à la porte ici parce que ça nous mène où il y a le ver. Le ver géant, si vous vous en rappelez. Là, là on a rien, je crois. Attends. Non, on a rien, je pense pas. Du coup, voilà, on va juste l'ouvrir. Voilà. Mais on va pas y aller, c'est où il y a le ver géant. Donc bon, je vais pas y aller maintenant. Ça sert à rien pour l'instant. Allez, on retourne là, du coup. Allez. Des zombies, tiens. Ça change. Allez, venez là. Je vous attends. Attends, je vais peut-être prendre plutôt le... Je vais prendre ceci, ça me fera perdre... Enfin, ça me fera... perdre moins de balles. Il est mort. Allez, à toi, maintenant. Il est mort, lui aussi.
Non, il est pas mort. Réveille-toi, je m'en fous. Je te tuerai quand même. Il est mort. Ok. On va aller là. Ah, et par contre, il y a un petit problème, c'est que je vais... J'ai pas de place. Parce que là, il faut que je prenne ça. Cet emblème-là, mais je n'ai pas de place. Oh là là, catastrophe. Catastrophe. Ben, on va aller au coffre. Hein. On n'a pas vraiment le choix, là. Hein. Bon, allez, je vais aller au coffre, et puis on se retrouve tout de suite. Alors, les amis, du coup, on n'a pas vraiment le choix de passer où il y a le ver géant, parce que... on ne peut pas retourner à la salle de sauvegarde... autrement qu'en passant par là. C'est un peu con, mais bon. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Hein. Au revoir, monsieur ver géant. Non, je vous ai dit, hein, faut vraiment pas le tuer, ça sert à rien. C'est un peu... ça sert à rien. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va rouvrir cette porte. L'autre, on peut pas l'ouvrir maintenant. Alors... ne vous inquiétez pas, vous dites pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ouvre pas l'autre aussi? Non, on ne peut pas l'ouvrir. Pas pour l'instant. Alors. On va... Oh merde, j'avais oublié qu'il y avait des colosses ici. Ouais, tu vas te calmer, oui. Non mais... je vais prendre mon flingue, hein. Non. Non. Non plus. Je ferai ça jusqu'à ce que vous mourrez. Hein. Je vous préviens. Hein. Ils veulent pas mourir. Hein. Ils ont du mal. Bon, lui, il meurt. Lui, pas encore. Il est coriace, le deuxième. Hein. Ah, ça y est. Voilà, bon, on est débarrassé de ces chiens. On va aller à la salle de sauvegarde. Te dépêche pas surtout, Claire. Prends vraiment tout son temps. Alors là, vous vous rappelez, hein, c'était l'endroit de tout à l'heure, là. Où la porte s'était refermée. Mais bon, vu qu'on a encore le pass... on peut encore l'utiliser. Eh oui. Là, du coup, on retourne à la salle de sauvegarde. Je vais me débarrasser des loogers parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et pas... Je vais peut-être enlever aussi les... comment ça s'appelle? Les autres trucs, là. Là, ça. Je vais les mettre... bah, déjà, je vais mettre ça là. Ça, je mets ça ici. Voilà, c'est bon. On garde le reste. Allez, on s'en va. Alors, du coup, nous avons un passage où on peut passer par là-bas. On va y aller maintenant. Regardez. Ici. Nous avons un petit passage. Oui, on descend. Par contre, je sais pas trop si on va pouvoir passer. Je sais plus trop si c'est avec ce passe-là qu'on peut ou pas. On verra bien. On verra bien. Ah non, je crois que c'est le pass indigo, ouais. Bah non, on peut pas finalement. Pas tout de suite. Tant pis, hein. Maintenant, on peut aller chercher le petit truc qu'on avait trouvé là. J'ai oublié le nom là. Je me rappelle plus. Je ne sais plus. C'est l'emblème, je crois, un truc comme ça. Là, le voilà. On le prend. Parce qu'il va nous servir, hein, évidemment. Blason de l'aigle, oui, c'est un blason, ce n'est pas un emblème. Et on va prendre Osri, oui, Osri, oui, c'est ça. Non, là, là, mais non, je m'en fous de ta machine. Enfin, pour l'instant, je veux ça, voilà. Des rubans encreurs, ça nous en fera 3 de plus. Est-ce qu'on sauvegarde maintenant? Non, franchement, on n'a pas besoin pour l'instant. On n'a pas besoin. Alors maintenant, on va aller retourner... à la salle où il y avait de dehors là où il y avait les chiens. Alors on retourne ici. Pourquoi? Bah, vous vous rappelez pas de l'endroit où il fallait... arrête de foncer dans les murs. Où il fallait mettre un emblème.
vous allez vous en rappeler. Ici, cette plaque indigo peut accueillir un objet. Et oui. Et cet objet, c'est celui-ci. Voilà, et donc nous avons une nouvelle carte, cette fois-ci, qui est la carte indigo. Voilà. Regardez, ce sera le pass indigo, hein, carte indigo, enfin bref. Voilà. Une passe de sécurité indigo, utilisée au centre d'entraînement militaire. Voilà, ça nous servira à ouvrir les autres portes qu'on ne pouvait pas ouvrir. On y va. On va descendre en bas parce qu'en bas, je me rappelle qu'il y avait un grillage qu'on va pouvoir ouvrir maintenant. Allez. Voilà, là on peut ouvrir cette porte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au premier étage. Parce qu'on a une autre porte à ouvrir avec ce pass indigo. Allez. Oui, on va aller au premier étage. Et j'ai complètement oublié d'aller chercher les trucs qu'il y avait au SS. Bon, c'est pas grave. Je le ferai plus tard, peut-être même tout seul. C'est pas grave. On verra. On verra, on a encore le temps de toute façon. Allez. Du coup, ce qu'on peut faire déjà là maintenant, voilà, c'est ouvrir cette petite porte. Oh, il y en a partout. Mais il y en a partout, les zombies. Allez, monte. Non, mais arrête de foncer ton fur. Alors là, nous avons des munitions de lance-grenade. On n'a pas de lance-grenade, non? On va bientôt l'avoir. Alors, la binoide, description, créature créée par l'injection du virus T dans les gènes d'une salamandre. Caractéristique, comme tous les amphibiens, le corps de l'albinoïde évolue avec l'âge. L'albinoïde ne mesure que quelques centimètres à la naissance, mais il peut vite dépasser les 2 mètres. Sa vélocité et ses décharges électriques en font un ennemi redoutable, notamment dans l'eau. Ah bah oui, c'est sûr. Du coup, voilà. Non, on s'en fout un peu. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va prendre déjà ce pass qu'on a là. Voilà. Enfin, ce saut, plutôt. On s'en revient au même. Hein. Et là, attends, il n'y a pas des plantes, là? Ah oui, il y a des plantes, mais j'ai pas de place. Merde, attends. J'ai pas de place. Oh, j'aurais dû... Oh, quel nul! J'aurais pas dû prendre le pass emblème maintenant. Bah oui, j'ai pas de place, là. Ils vont me dire non. Bah oui. Non, je veux pas l'utiliser. Bah non. Bon, bah tant pis. Bon, déjà, on peut utiliser le moniteur, voilà. Largement court. Alors. C'est comme ça. C'est un peu la galère, ce truc. Voilà, il y a un numéro 11-26, quoi. Oui, ventilation, c'est fini, voilà. On va pouvoir retourner là-bas, du coup. Code de verrouillage de la porte activée. Ah, c'est dommage, je peux pas prendre les plantes, j'ai pas de place, moi. J'ai jamais de place. Je n'ai jamais de place. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis, hein. J'ai pas vraiment le choix, de toute façon. Oh, oui. Bon, je m'en rappelais pas. Je m'en souvenais plutôt. Et tue-moi ça. Ah, peut-être qu'on va réussir à avoir les plantes. En les tuant tous, là. On aura peut-être une place.
Tu vas mourir, oui. Ouais, ouais, bah on a assez là. Ça va, il parle le con, hein. Ouais, il est mort. Ok. Déjà, on combine. Associé, 12. Voilà, on a de la place, ça y est. On est content. Je vais pouvoir prendre les 3 plantes et faire un soin complet. Ça, c'est cool, ça. Voilà, donc va pas le falloir se tromper avec l'herbe infinie. Ce serait un peu con. Mais bon, je sais que l'herbe infinie elle est tout en haut, donc y a pas de problème. Voilà, en plus ça nous fait une place. Du coup, on repasse par là, voilà, on a déverrouillé la porte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là. Parce qu'on a un truc important que j'avais oublié d'aller chercher. J'avais un truc important à aller chercher. Ce serait con de passer à côté quand même. Parce qu'en plus c'est très intéressant. Vous comprendrez ce que c'est bientôt. Vous vous rappelez, c'était l'endroit où Steve était passé. On n'était pas allé avec Claire. Maintenant on y va avec Claire. Et là, regardez, j'avoue un passe contaminant. Et regardez ce qu'on a à côté. Un indigo, je veux dire. Regardez ce qu'on a à côté. On a une arme. Bon, de loin, on dirait un fusil à pompe, mais ce n'est pas un fusil à pompe. C'est un lance-grenade, hein, évidemment. Claire est connue pour avoir un lance-grenade. Ah, déjà, on n'en a plus besoin. Bon, bah, tant mieux, hein, ça nous fait de la place. On a déjà plus besoin. Bon, déjà, voilà, on a le lance-grenade. Voilà, je suis content. Et on va pouvoir combiner déjà cela là, parce que. Ça nous fait une place en plus. Et bon, on va pas cracher sur une place, franchement. Là, je crois que... Non, ça sert à rien, c'est... Il y a plein de Bandersnatch, ça sert à rien. Attends. Ah, là, 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 j'ai vu, hein. Je suis pas aveugle, je l'ai vu. Grenade, hop. Associé. 18, ça nous en fait des balles, hein. On passe là, maintenant. Là, je crois qu'on a d'autres trucs, hein, genre des munitions et tout. Je crois. Oh, des zombies aussi. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Je suis pas allé par là avec Steve. J'avais oublié ce détail. Monsieur est vivant. Ah, ils sont combien, hein? Bah, tu... Oh, merde. Il me bouffe. Non, mais... Pas très poli tout ça, mais lui aussi il me bouffe. Je suis toujours ok. Moi, elle est très résistante, est très résistante, Claire, quand même. Hein. Du coup, là, vous l'avez vu, hein, évidemment, on a des grenades là aussi, mais c'est fermé. On ne peut pas encore l'ouvrir. Là, nous avons quelque chose qu'on n'a pas besoin, là non plus. Voilà, on en a pas besoin. Mais là, par contre, nous avons des balles de pistolet. Et ça, ça nous servira. On va peut-être les combiner déjà un peu. Voilà, associé. Ça nous en fera. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va, on va retourner... on va retourner où chercher le tableau. Le tableau. Dans la salle... Je sais pas si vous en rappelez. Donc on retourne ici, hein, évidemment, pour aller chercher le tableau. Le tableau qui était moche apparemment. C'est ce que disait le monsieur sur la... Allez, on utilise le pass, voilà. Je sais pas si c'est la dernière fois qu'on en a besoin. Ah oui, bah oui, justement. Bon, c'est cool, ça nous fera de la place. Il nous reste combien de places là? Ah, et 2 places, c'est bien. C'est même très bien. Même avec une place, on aurait eu assez, hein, pour prendre le tableau, hein, mais c'est quand même bien d'avoir une place en plus. Allez, on y va. Ah,
Alors, le code c'était 1126. On va le noter. 1 1 2 et 6. Oui, bon, on y va. Sur leur porte là. Par contre, t'apprends 20 ans pour ouvrir. Alors, avant, déjà, on a des petites munitions ici, on va les prendre. Prends-les. Finalement, en fait, c'est peut-être une bonne chose qu'on ait deux places. Ah merde, on peut pas passer. Bah, c'est le corps du monsieur de tout à l'heure. Hein. Bah oui, il est déjà mort. Oui, heureusement. Enfin, heureusement, non. Je suis désolé, mais enfin, voilà. Malheureusement pour lui, il est mort. C'est chaud, les amis, là. Faut vite partir d'ici. Et le temps s'écoule même quand on ouvre les portes. C'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Voilà. C'est bon. On va reprendre de l'herbe. Voilà. Eh ben dis donc, aider. C'était chaud. Hein. Bon, du coup, on retourne à la salle de sauvegarde et on s'arrêtera là, les amis. Voilà, en tout cas, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur la partie. Je m'en rappelle plus du tout. C'était à quelle partie? Peut-être la 4 ou la 5. Je sais plus trop. J'ai oublié. Enfin, bon, de toute façon, c'est écrit sur la partie, sur le titre. Hein. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et mettez la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Voilà, surtout, portez-vous bien. Et à plus.